Salut tout le monde. J'ai une super nouvelle à vous annoncer. Gigi nous a préparé une surprise de taille. Elle nous emmène en mission, et croyez-moi, elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle a plein de projets géniaux pour nous. Au lieu de continuer notre programme habituel, on va partir virtuellement en Haïti. Oui, vous avez bien entendu. On va découvrir un pays magnifique et fascinant, plein de richesses culturelles et historiques. Préparez-vous à vivre une expérience inédite. Haïti est un pays des Caraïbes qui occupe la partie ouest de l'île d'Hispaniola. Sa culture est un mélange unique de traditions africaines, françaises et indigènes taïno. La gastronomie haïtienne est un régal pour les papilles, avec des influences espagnoles, arabes, africaines, américaines et françaises. La musique d'Haïti est une fusion de rythmes et de sons venus de divers horizons. Le français et le créole haïtien sont les langues officielles, mais le créole est le plus parlé. Imaginez ça! Un voyage en Haïti même virtuel, un pays riche et coloré, avec une histoire à raconter. Notre groupe est prêt à se lancer dans une aventure virtuelle qui restera gravée dans nos mémoires. Sous la houlette de Gigi and Dr. G. On est tout impatient de participer à quelque chose d'exceptionnel. En partant pour ce voyage, on n'a qu'un seul but. Rendre à Haïti sa splendeur d'antan et lui redonner son surnom de perle des Antilles. On est motivé et on sait qu'on peut relever tous les défis. Alors qu'attendez-vous? Préparez-vous à embarquer et à écrire l'histoire ensemble. Tous à bord! Salut à tous les 29ers! Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Comme Adrien vient de l'annoncer, nous avons décidé de faire un voyage virtuel en Haïti au lieu de nous en tenir à notre horaire habituel. Compte tenu de la situation actuelle en Haïti, c'est la bonne chose à faire. Cependant, il convient de noter que nous avions déjà prévu de visiter Haïti de toute façon. Dans les épisodes 12 et 13 précédents, nous avons discuté de la possibilité qu'Haïti devienne une zone bleue, une idée suggérée par l'une de nos compagnons. Pour ceux qui ne le savent pas, les zones bleues sont des endroits où les gens vivent plus longtemps, en meilleure santé, plus heureux et où les taux de maladies chroniques sont plus faibles que partout ailleurs, grâce à leur mode de vie et à leur ikigai. L'ikigai, c'est ce mot japonais qui désigne la raison d'être de chacun, ce qui nous motive et nous rend heureux. Il se compose de quatre éléments, ce qu'on aime, qui est notre passion, ce dont le monde a besoin, c'est notre mission, ce qu'on sait faire, c'est notre vocation. Et ce qui nous rapporte de l'argent, c'est notre profession. Alors, faisons en sorte que notre Ikigai fasse d'Haïti une zone bleue. Compte tenu de toute la tourmente en Haïti, le moment est venu de revisiter l'idée que la plupart d'entre vous croyaient être un rêve impossible. Comme le dirait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Alors, gardons l'espoir, embarquons-nous pour notre nouvelle mission. Nous pouvons considérer cela comme l'un de nos objectifs Ikigai. Alors, direction Haïti, c'est parti! Allô, Haïti, sac passé, nous sommes les 29ers, porteurs d'espoir pour que votre magnifique pays retrouve sa splendeur d'antan. En tant qu'équipe engagée pour un changement positif, notre mission est d'inspirer et de motiver les gens
à apporter des changements positifs dans leur vie. Nous croyons en la puissance de l'amour et en la nécessité de réduire la haine. Nous sommes convaincus qu'il est essentiel de prendre soin de soi et de respecter notre planète tout en profitant de la vie. C'est pourquoi notre podcast se concentre sur la santé, le bien-être, le mode de vie et l'environnement. Alors, rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur de compter sur notre co-hôte, Dr. Gilbert, un expert en santé et bien-être. Ensemble, nous souhaitons vous inspirer à vivre une vie épanouissante et à contribuer à un monde meilleur. Bonjour à vous tous qui êtes maintenant en Haïti. Nous avons longtemps regretté de ne pas pouvoir y venir et vous rendre visite, tant pour le loisir que pour nos missions en tant que missionnaires. Malheureusement, pour les raisons de sécurité, nous avons dû cesser de venir. Cependant, nos missionnaires étrangers qui nous avaient accompagnés gardent tout en mémoire qu'Haïti est un véritable paradis, malgré le travail acharné que nous y avons accompli chaque jour. Nous fournissions des soins médicaux à plus de 300 patients par jour, de 8h du matin à 18h, sans jamais perdre de vue l'importance de visiter les plages et d'apprécier la délicieuse cuisine haïtienne. La satisfaction de venir en aide aux autres est incommensurable. Certes, faire d'Haïti une zone bleue est un défi, mais nous restons déterminés à garder l'espoir, j'ai dit. Ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir des miracles. Nous invitons chacun à se joindre à nous dans ce voyage pour rester jeune à tout jamais. C'est grâce à l'une de notre amie 29ers que nous avons eu cette idée géniale. Pourquoi ne pas créer une zone bleue en Haïti? Une zone bleue, comme Gigi l'a décrite, c'est un endroit où les gens vivent plus longtemps et mieux grâce à un mode de vie sain et harmonieux. Ça vous tente, n'est-ce pas? Cependant, un gouvernement fort est indispensable pour résoudre les problèmes actuels en Haïti. Ce serait là le premier miracle que nous devons réaliser. De votre bouche à l'oreille de Dieu, Dr. J. Vous avez raison, Haïti a besoin d'un leadership fort et d'un plan clair pour retrouver sa gloire passée. C'est pourquoi nous avons préparé cette question essentielle qui touche à différents aspects de la situation haïtienne. Et voici la question. La première question, un gouvernement de sauvetage serait-il viable en Haïti? Compte tenu de la situation actuelle, quelles mesures devraient être prises? Question 2. Pourquoi les États-Unis estiment-ils qu'Haïti a besoin d'une tutelle? Question 3. Comment tirer des leçons de nos erreurs passées pour éviter de les répéter? Question 4. Quels critères les citoyens haïtiens devraient-ils utiliser pour choisir leur candidat et éviter des erreurs du passé? Question 5. Comment pouvons-nous encourager l'autosuffisance en Haïti et réduire la dépendance à l'aide étrangère? Question 6. Pourquoi est-il important de reconnaître l'importance d'acheter des produits locaux? Question 7. Quelle est la meilleure façon de financer l'éducation pour garantir l'accès à l'école pour tous les enfants? Eh bien, dans cet épisode, nous commencerons par les deux premières questions. Dr. G, veux-tu entamer la première question? Bien sûr, Gigi. Cette question fondamentale mérite toute votre attention et nous apprécierons également quelques commentaires. Compte tenu de tout ce qui se passe actuellement, la question est de savoir si un gouvernement de sauvetage serait viable en Haïti. Si oui,
quelles mesures seraient nécessaires pour y parvenir. Haïti souffre depuis de nombreuses années d'instabilité politique, de violence et de pauvreté. Un gouvernement de sauvetage pourrait être une solution à cette crise. Ce type de gouvernement rassemblerait différents groupes politiques et sociaux pour convenir d'un plan visant à aider le pays à se redresser et à se développer. Ce gouvernement s'efforcerait également de s'attaquer aux causes des conflits, tels que la corruption et les violations des droits de l'homme. Pour créer un gouvernement de sauvetage, les organisations et les groupes régionaux doivent le soutenir. Les étapes pour former ce gouvernement comprennent des discussions avec la population de tout le pays afin d'identifier les principaux défis et priorités. Certains de ces défis incluent la garantie d'un processus électoral pacifique et équitable, l'amélioration de la gouvernance et de la responsabilité et la résolution des problèmes sociopolitiques. La crise humanitaire en Haïti est grave et comprend des problèmes tels que la faim, les déplacements et les risques sanitaires. Les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les ouragans ont aggravé la situation, tout comme la pandémie de la COVID-19. Le chef d'un gouvernement de sauvetage devrait être une personne de confiance et de respect pour les Haïtiens, capable de rassembler différents groupes. Il doit également être suffisamment pourvu d'expérience pour gérer les nombreux défis du pays. Le gouvernement devrait également œuvrer à améliorer la sécurité et l'état de droit afin de protéger la population et de mettre fin à la corruption. Il devrait également ériger un plan pour aider le pays à se redresser et à se développer. Ce plan devrait se concentrer sur ce dont les gens ont le plus besoin et utiliser l'argent d'Haïti et d'autres pays pour aider. Enfin, le gouvernement de sauvetage devrait œuvrer pour rassembler les gens et les aider à se remettre du conflit. Cela implique de parler aux personnes qui ont été blessées, de fournir un soutien en matière de santé mentale et d'aider les gens à retrouver espoir pour l'avenir. Il est déroutant que le premier ministre Ariel Henry suggère de tenir des élections d'ici la mi-2025. Quel est le raisonnement derrière cette déclaration faite le mercredi 28 février 2024? Attend-il que les Kenyans viennent lui tenir la main ou lui apprendre comment organiser une élection? Maintenant, passons à la deuxième question de notre liste, Gigi. Question intéressante. La question est la suivante. Pourquoi les États-Unis pensent-ils qu'Haïti a besoin d'une tutelle? C'est une question qui me touche beaucoup, car je connais l'histoire d'Haïti et son combat pour la liberté. Je pense que les États-Unis ont une vision paternaliste et néocoloniale d'Haïti, qu'ils considèrent comme un pays pauvre, instable et corrompu, qui ne peut pas se gérer lui-même. Ils veulent imposer leur modèle économique, politique et culturel en Haïti, sans respecter sa souveraineté et sa diversité. Ils profitent aussi des ressources naturelles et humaines d'Haïti, en exploitant sa main-d'œuvre bon marché et en pillant ses richesses. Je trouve cela très injuste et irrespectueux. Haïti a une histoire et une identité propre qui méritent d'être reconnue et valoriser. Haïti n'a pas besoin d'une tutelle, mais d'un partenariat équitable et solidaire avec les autres pays qui respectent son autonomie et son développement.
Mais malheureusement, les États-Unis ne sont pas les seuls coupables de la crise en Haïti. Il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à cette situation difficile. Par exemple, les dirigeants haïtiens n'ont pas pu gérer le pays de manière efficace et transparente. Ils ont laissé le pays s'enfoncer dans la corruption, la pauvreté et l'instabilité. Les entreprises qui exploitent les ressources et la main-d'œuvre haïtienne sans respecter les principes du commerce équitable sont aussi responsables. Elles profitent de la situation sans se soucier du bien-être des habitants. En plus, la population haïtienne vit dans la peur et l'insécurité à cause de la violence, des enlèvements et du manque de protection et des droits humains. Il faut aussi mentionner le manque de solidarité et d'investissement de certains riches haïtiens qui préfèrent garder leur argent à l'étranger plutôt que de le réinvestir dans leur pays. Tous ces facteurs ont contribué à donner une image chaotique d'Haïti aux yeux du monde. Malheureusement, cela a conduit à faire croire qu'Haïti devrait être prise en charge comme un enfant sans défense. Les États-Unis agissent comme un grand frère en envoyant Kenya pour aider Haïti. Voyons bien, ça soulève des inquiétudes quant aux véritables intentions de ceux qui viennent en aide à Haïti. La police kenyenne a une réputation de violation des droits humains et la barrière linguistique entre Haïtiens et Kenyans ajoute à la confusion. Il est important de se demander pourquoi le Kenya a été choisi et comme si le peuple haïtien ne peut pas prendre soin de son propre pays comme le faisaient leurs ancêtres. Cette situation met également en lumière cette vérité inconfortable. Alors qu'Haïti luttait pour son indépendance, certains pays africains, dont le Kenya, étaient impliqués dans la traite négrière. Ça soulève la question suivante. Quelle est la véritable intention de ces Kenyans qui viennent en Haïti? L'implication du premier ministre de facto, Ariel Henry, suscite des inquiétudes concernant sa capacité de leadership. Le fait que les États-Unis soient prêts à dépenser de l'argent pour soi-disant protéger Haïti en envoyant Kenya à la rescousse devrait être un signal d'alarme pour que les Haïtiens assument la responsabilité de leur situation actuelle. Comme je l'ai dit souvent sur mon podcast, il est toujours temps de faire le bon choix. Il est temps de faire face à la réalité et d'agir pour le bien du pays. Il est crucial de mettre fin à la violence et aux meurtres insensés. Cette situation inacceptable d'enlèvement, de meurtre, de vol et de manque de solidarité sont les choix et les actions du peuple haïtien. Bon sang, n'êtes-vous pas les descendants de Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Henri Christophe, Alexandre Pétion, ainsi que de nombreux autres héros qui ont lutté pour votre liberté et votre dignité? Ils ont refusé l'oppression, l'exploitation et ont marqué l'histoire en créant la première république noire du monde. Leur exemple démontre que vous avez la capacité et le potentiel de contrôler votre propre destinée. Cependant, qu'avez-vous fait de leur héritage? Comment avez-vous honoré leur mémoire? Au lieu de cela, vous vous êtes laissé diviser par des intérêts mesquins et corrompre par l'avidité. Il est temps de vous rappeler vos racines et vos valeurs. Vous avez négligé votre terre et votre peuple, devenant vos propres ennemis. Quelle tristesse! Qu'est-il arrivé? Mon Dieu, les États-Unis ont-ils raison? Non. Adoptons plutôt cette devise. Marchons ensemble pour Haïti et ne laissons aucun trait nous diviser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à aborder d'autres questions sur Haïti. Gardons espoir et unissons-nous dans nos efforts pour soutenir Haïti. Ensemble, nous sommes plus forts et la bonté prévaudra.
Veuillez continuer à soutenir et à partager notre podcast avec d'autres. À bientôt! Pour finir, nous aimerions partager avec vous une chanson puissante et inspirante d'Ancy et Yol de Rose intitulée « Nous voulons pour pays changer » qui signifie « Nous voulons que le pays change ». Cette chanson incarne l'espoir et le désir d'un avenir meilleur pour Haïti. Ces paroles nous rappellent que le changement doit commencer par nous et que nous devons travailler ensemble pour créer un avenir meilleur. Nous vous encourageons à prendre un moment pour écouter cette chanson et réfléchir à son message. Bonne écoute! Pour l'autre, pas fait tout, mais contre les paganisations.